Suddenly pieces are back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. On est donc avec Antonio. Salut Antonio. Salut Christophe. On va donc aujourd'hui parler par différentes personnes qui nous ont posé des questions sur le Smart Vision. Et aujourd'hui, on va surtout parler de son avec le Smart Vision. Et aujourd'hui, c'est Antonio qui va vous présenter cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une des questions qui nous sont les plus fréquemment posées. Comment régler la sonnerie sur le Smart Vision ? Hein, adieu menu réglage qu'on avait chez Nokia, et bonjour Smart Vision, on va donc aller régler la sonnerie. Pour ça, donc je vais commencer par déverrouiller mon Smart Vision, en appuyant en haut à droite. Appareil déverrouillé. Voilà. 9, niveau de batterie, 58%. Alors, je vais appuyer sur la flèche bas pour aller dans Applications. Vendredi, Application. Je valide. Application. Je l'ai pas. Application. Agenda. Appareil photo. Calculatrice. Chrome. Contact. Alors, comme je suis un fainéant, je vais appuyer sur la touche 7 pour faire le P. P. Paramètres. Et j'arrive directement dans Paramètres. Je valide avec la touche Entrée. Paramètres. Je vais descendre avec mon joystick de navigation. Rechercher un paramètre. Sans fil et réseau. Wi-Fi. Téléchargement turbo. Bluetooth, consommation des données, plus, appareil, accueil, affichage, son et notifications. Et voilà, on a trouvé un truc qui va nous brancher ici, c'est son et notifications. Donc je valide au centre du joystick. Son et notifications. Je vais descendre jusqu'à paramètres son de l'appareil. Profil prédéfini, paramètres généraux, sonnerie, cocher. Bouton radio, bouton paramètres de l'appareil. Je valide ici, au centre du joystick. Paramètres. Alors ensuite, j'ai plusieurs réglages qui vont m'être proposés. Paramètres. Paramètres généraux. Volume de l'alarme. Barre de défilement 100%. Volume de la sonnerie. Barre de défilement 100%. Sonnerie du téléphone. Sonnerie du téléphone. Je vais appuyer sur la touche OK. Information, sonnerie du téléphone. Et là, je vais faire défiler mes sonneries. Sonnerie du téléphone. Friendly ghost, oui. Friendly Gregol, non. Game over guitar. Là, je suis en train de les faire défiler. Et si je veux les écouter, rien de plus simple. J'appuie sur mon joystick de navigation, au centre. Je fais un coup de flèche droite pour aller sur la touche OK. Bouton OK. Je valide. Paramètres. Et ma sonnerie est sélectionnée. Paramètres. Paramètres généraux. On va le vérifier. Barre de défilement 100%. Volume de la sonnerie. Barre de défilement 100%. Sonnerie du téléphone. Je valide. Information. Sonnerie du téléphone. Sonnerie du Game over guitar. Oui. Voilà, Game Over Guitar, qui est la sonnerie que j'ai sélectionnée, et ça me dit oui, ça veut dire que c'est ça. Voilà, donc Antonio, après le changement de sonnerie du téléphone, est-ce qu'on est capable de changer soi-même aussi le son des notifications ? Tout à fait, on peut choisir les notifications, comment est-ce qu'on va les avoir de façon sonore. Donc, on est toujours dans le même menu paramètres, on vient de régler la sonnerie. Sonnerie du téléphone. Je vais appuyer sur mon joystick vers le bas. Son de notification par défaut. Je valide. Information, son de notification par défaut. Son de notification par défaut. Pixidus, oui. Pizzicato, non. Je valide là-dessus sur celui-là, par exemple. Pizzicato, oui. Coché. Hop, je choisis celui-là et je sors. Paramètres. Et mon son est sauvegardé. Voilà donc une petite vidéo en fait pour vous montrer un petit tuto sur ce Smart Vision au niveau du changement de son des sonneries, du changement de son des notifications. C'était une demande de beaucoup d'abonnés qui possèdent aujourd'hui le Smart Vision. Donc voilà, cette vidéo vous a été présentée, les réglages par Antonio. On vous refera donc une autre vidéo. Antonio, éventuellement ce que tu auras envie de faire pour la prochaine fois sur le Smart Vision. Alors, on essaiera de s'attaquer au phénomène des mails. Hein. On essaiera de paramétrer ensemble
un mail sur l'application email qui a été développée exprès par la société Capsys. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup Antonio, et puis donc à bientôt. N'hésitez pas de commenter sous la vidéo, de liker et de partager avec vos amis. Salut Antonio. Salut Christophe, salut à tous. Salut à tous.